contrôle. Je ne crois pas, amiral. Me contrôler, moi, c'est pas comme contrôler un moissonneur. Ayez confiance. Quand l'humanité a découvert les relais cosmodésiques, quand on a su que la galaxie recélait bien plus qu'on ne le pensait, certains ont voulu détruire ces relais. Ils avaient peur de ce qu'on trouverait, peur de ce à quoi on s'exposait. Mais regardez ce que l'humanité a accompli. Depuis cette découverte, on a fait plus de progrès qu'en 10 000 ans auparavant. Et les moissonneurs referont la même chose pour nous, 1000 fois. Mais... seulement si on arrive à maîtriser leur capacité à contrôler. Foutaise. Ils nous détruisent. Ou on les détruit. Et rater cette occasion? Jamais. Vous jouez avec des choses que vous ne comprenez pas. Un pouvoir que vous ne devriez pas utiliser. Vous dites n'importe quoi. Si on peut le contrôler, pourquoi ne pas s'en servir? Parce que... on n'est pas prêt. Non. C'est comme ça que l'humanité doit évoluer. Il y a toujours un autre moyen. J'ai passé ma vie à essayer de comprendre les moissonneurs. Et je suis sûr d'une chose. Le creuset va me permettre de les contrôler. Et après? Nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir. Merde. Je vois ce qu'ils vous ont fait. Je leur ai pris ce que je voulais. C'est moi qui décide. Tout ça n'a rien à voir avec moi ou vous. Tout ça nous dépasse tous, complètement. Il a tort. Ne l'écoutez pas. Et qui allez-vous écouter, Shepard? Un vieux soldat ancré dans ses habitudes, seulement capable de voir le monde à travers le canon d'un fusil? Et si il a tort? Et si la clé, c'est de contrôler les moissonneurs? Si on détruit les maçonneurs, tout prend fin aujourd'hui. Mais si vous n'arrivez pas à les contrôler... j'y arriverai! Vous êtes prêt à parier l'avenir de l'humanité là-dessus? Je sais que ça marchera. Vous ne pouvez pas, c'est ça. Ils ne vous laisseront pas le faire. Non! C'est moi qui décide! Personne ne me dit ce que je dois faire! Mais écoutez-vous... vous êtes endoctriné. Non! Non! Vous êtes tellement suffisant! Vous croyez qu'un tel pouvoir vous est servi sur un plateau? Il faut faire des sacrifices! Vous en avez beaucoup trop fait. Shepard! Je n'ai toujours voulu que protéger l'humanité. Le creuset peut les contrôler. Je le sais! C'est pas trop tard. Laissez-nous partir. On se charge du reste. Je ne peux pas, commandant. Bien sûr. Il vous contrôle maintenant. Vous ruineriez tout ce que j'ai accompli. C'est hors de question. Ah, je peux pas les faire ce que c'est. C'est déjà fait. C'est bizarre, pourtant en conciliant j'ai 40 millions de points, donc normalement je vois quoi faire. Vas-y. Vous n'êtes plus que le joujou des moissonneurs maintenant. Non! Vous avez échoué! Ah, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Là.
la Terre. J'aimerais que vous voyiez ce que je vois, Shepard. C'est juste. Parfait. Putain, il est dégueulasse. On y est, c'est parti. Les bras sont en train de s'ouvrir. Ça va être un gros truc. Commandant, on a réussi. C'est bien fait, l'effet déco. Oui. C'est vrai. Quelle vue splendide. On est aux premières loges. Ça fait du bien de pouvoir s'asseoir. Je pense que vous méritez une pause, Anderson. Restez avec moi. On y est presque. Il est défoncé là, t'as Vous côté. Vous avez assuré, fiston. Vous avez assuré. Je suis fier de vous. Je vous remercie. Anderson. T'as bien fait, genre le sang du nez, le sang de bouche. Shepard. Je ne vois rien. Je sais pas trop comment. Commandant. On a dû appuyer sur un bouton. La citadelle, c'est chez moi. Qui êtes-vous? Je suis le catalyseur. Ah, ça doit être l'IA de la citadelle. Je croyais que c'était la citadelle, le catalyseur.
La citadelle fait partie de moi. Il faut arrêter les moissonneurs. Vous m'aidez ? Peut-être. Je contrôle les moissonneurs. Ils sont ma solution. En fait, genre le cerveau, la citadelle. La solution à quoi ? Au chaos. Les créatures se soulèveront toujours contre leur créateur. Mais nous avons trouvé le moyen d'empêcher cela, un moyen de ramener l'ordre dans le prochain cycle. En éliminant la vie organique ? Non. Seules les espèces avancées sont moissonnées. Les plus jeunes sont épargnées. Tout comme nous avons épargné votre espèce lors de notre dernier passage. Mais vous avez tué les autres. Non, nous les aidons à s'élever pour faire place à une nouvelle vie. L'ancienne vie devient un moissonneur. Je crois qu'on aimerait autant garder notre forme. Non, vous ne pouvez pas. Si nous n'étions pas là, les synthétiques détruiraient les organiques. Nous avons créé ce cycle pour que cela n'arrive jamais. C'est la solution. Mais vous nous enlevez notre futur. Sans futur, on n'a pas d'espoir. Et sans espoir, autant être des machines programmées pour agir, pour obéir. Croyez-moi, vous avez de l'espoir. La preuve, c'est que vous êtes le premier organique à vous trouver ici. Ce qui prouve aussi que ma solution ne fonctionne plus. Bon, et maintenant ? Trouvons une nouvelle solution. Soit, mais laquelle ? Le creuset m'a changé en créant d'autres possibilités, mais je ne peux pas les réaliser. Vous avez pensé à me détruire ? Je sais. Détruisez la vie synthétique si vous voulez. Y compris les guettes. Vous-même, vous êtes en partie synthétique. Mais les moissonneurs seront détruits. Oui, mais la paix ne durera pas. Bientôt, vos descendants créeront des synthétiques. Et le chaos reviendra. Peut-être. Ou pensez-vous pouvoir nous contrôler ? L'homme trouble avait donc raison après tout. Oui. Mais il n'aurait jamais pu prendre le contrôle, puisque nous le contrôlions déjà. J'y arriverai. Vous mourrez. Vous nous contrôlerez. Mais vous perdrez tout ce que vous avez. Y compris les relais dont vous dépendez. Mais les moissonneurs m'obéiront ? Oui. Oui. Il existe une autre solution. Et ? La synthèse. Et c'est ? Ajoutez votre énergie au creuset. Tout ce que vous êtes sera absorbé, puis libéré. La réaction en chaîne combinera vie organique et synthétique pour donner un nouveau système, un nouvel ADN. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Vous êtes déjà à moitié synthétique. Vous pouvez imaginer la vie sans eux. Et comme ça, on continuera à vivre ensemble ? Le cycle prendra fin. La synthèse est la forme finale de la vie. Mais nous avons besoin des uns et des autres pour réussir. Si vous continuez, vous connaissez les risques. Si vous continuez, vous connaissez les risques. Les voies sont ouvertes. Ah merde, sur mais la prochaine, ça va être dur. C'est chaud comme choix. On peut pas sauvegarder en plus. On peut pas sauvegarder. Donc il y a se mélanger. D.
détruire ou contrôler. En fait, si ça aurait été genre ils ont mis que contrôler c'était gentil et que ça c'était méchant, je veux être méchant là. Parce qu'en fait dans ma partie j'ai réussi à rallier toutes les espèces et à faire que les guettes et que ils coopèrent avec leur créateur et que les Krogan coopèrent avec les Kariens. Enfin avec les Kariens, je sais plus comment on appelle les autres. Donc en fait ils sont tous ensemble, donc c'est autant détruire quoi. Merde. Mourir pour allez avance plus vite. Gauche, je ferais juste en vidéo bonus, je mettrais peut-être les deux autres choix, ou dans une autre vidéo où je mettrais les deux autres choix pour comme ça vous pourrez voir les trois. C'est bien fait quand même, hein.
bah, sur cette superbe musique et sur cette superbe fin, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. C'est vraiment arrivé tout ça? Oui, mais certains détails ont disparu avec le temps. Ça remonte à loin, tu sais. Quand est-ce que je pourrais aller dans les étoiles? Un jour, mon petit. Il y a quoi là-bas? Tout ce que tu peux imaginer. Notre galaxie a des milliards d'étoiles. Chaque étoile est entourée de nombreuses planètes. Chaque planète est susceptible d'abriter une nouvelle forme de vie. Et chacune de ces vies a sa propre histoire. Je veux une autre histoire sur le Shepard. Il se fait tard, mais d'accord, une dernière. Merci d'avoir regardé tous les épisodes. Cliquez sur l'image pour aller à l'épisode bonus où vous verrez mes stats et enfin les deux autres. Les deux autres fins. Encore un vieux jeu de mots. Et je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont suivi, à tous ceux qui ont mis des petits commentaires, à tous ceux qui ont mis des j'aime. Et merci. Ciao, ciao.